Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour la deuxième semaine de ce mois de novembre. Nous sommes lundi 11 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous prolongez ce long week-end puisque aujourd'hui, c'est un jour férié. C'est l'armistice. C'est quoi l'armistice? Eh bien, c'est une date qui est commune à tous les pays qui ont été impliqués dans la Première Guerre mondiale 14-18. Donc voilà pour la petite histoire de ce 11 novembre. Je continue avec la fleur de vie, n'est-ce pas? La fleur de vie, elle nous rappelle que nous faisons tous partie de la création divine et que nous sommes tous en relation les uns avec les autres. Et ça nous permet de pouvoir développer peut-être une qualité dans notre vie, et ça peut être le pardon, ça peut être le courage, pourquoi pas la créativité, etc. Et cette fleur de vie, eh bien, elle nous aide à réaliser notre objectif et elle nous accompagne, eh bien, jour après jour, sur la voie de l'épanouissement profond et durable. Cette belle fleur de vie, c'est vraiment un travail aussi sur soi, n'est-ce pas? Alors, avant de commencer, eh bien, la petite philosophie du matin pour ce 11 novembre, éviter la honte, agir de façon à n'avoir jamais honte de ce que l'on fait. Voilà, à méditer, n'est-ce pas? Vraiment, aujourd'hui, j'ai pigé la carte accepter. J'accepte les dons de la vie et je transmets cette généreuse plénitude. Fortune déverse sa corne d'abondance au-dessus de toi. Tu es gratifié, et bien de cadeaux, sur tous les plans. Tout ce que tu as semé le long du chemin de ta vie, eh bien, est actuellement en pleine floraison et pourra bientôt être récolté. Tu es toujours de la plénitude que la vie t'offre. Tu es capable, eh bien, de jouir de cette plénitude avec chacune des fibres de ton être. Tout ce dont tu as pu rêver va maintenant pouvoir se réaliser présentement. C'est une époque, eh bien, de floraison et de joie. La fleur de vie t'aide à orienter tous les sens en direction de la réceptivité et de l'acceptation. C'est ainsi que tu pourras plonger très profondément dans le fleuve de la bénédiction. Et chaque cellule, n'est-ce pas, chaque cellule de ton corps s'apprête à accueillir les cadeaux de la vie. Oui, tu le mérites. Ouvre grand tes bras, embrasse l'abondance de ta vie. Apprécie, eh bien, la moindre attention à sa juste valeur. Mais prends conscience aussi, n'est-ce pas, que chaque détail
se trouvera renforcé et multiplié par ta gratitude. Alors ton défi va être aujourd'hui l'heure est donc venue de déterminer pourquoi tu n'es pas capable d'accepter les cadeaux que t'offre la vie. Le pourquoi. Pose-toi la question, pourquoi tu n'acceptes pas les cadeaux de la vie? Pourtant, tu mérites de vivre dans l'abondance, n'est-ce pas? La fleur de vie te réconforte pour te libérer de toutes tes anciennes croyances, tes anciens schémas, de tous ces schémas traditionnels qui t'ont peut-être privé de l'énergie positive, de la réceptivité ainsi que de l'acceptation insouciante. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que si tu fais ce travail-là, tu seras libre, tu pourras de cette façon eh bien, embrasser avec joie l'abondance de la vie. Tu te dis peut-être, oui, mais moi, je ne mérite pas ça, je ne mérite pas ça. Pourquoi tu te dis ça? Quelles sont les croyances qui font que? Qu'as-tu vécu pour penser ça? Tout le monde a droit à l'abondance, à la joie, à l'amour, au bonheur. Tout le monde, c'est toi qui te mets des barrières. Et maintenant, va rechercher dans toi ces barrières. Pourquoi tu te mets ces barrières-là? Voilà, ça va être le défi pour toi aujourd'hui, n'est-ce pas? Un beau défi, un beau message, une belle guidance pour commencer la semaine et de ce lundi 11 novembre, n'est-ce pas? Je termine avec, eh bien, la... le message de ton âme. Et aujourd'hui, j'ai pigé la carte « Écoutez les astres ». Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, eh bien, tu n'as qu'une chose à faire, tendre l'oreille. Voilà le message de ton âme. Eh bien, je vous souhaite un joli 11 novembre, n'est-ce pas? Un beau jour férié. On se retrouve, eh bien, demain. D'ici là, portez-vous bien et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.